les intermittents du spectacle et d'autres. Mais aussi vos enseignants qui tout au long de l'année vous ont également encadré, encouragé. Les personnels de direction des collèges. Mais je suis là surtout pour dire que ce que vous faites à travers l'improvisation théâtrale devra être progressivement stimulé, généralisé, parce que nous avons besoin que vous trouviez dans le théâtre une forme de confiance, de réalisation, d'intérêt pour l'éducation, pour le savoir, pour la connaissance, pour la culture. Les ministres sont en charge, les deux qui sont là, de l'éducation artistique, c'est-à-dire de l'enseignement. Il y a également ce que l'on fait au-delà de l'école, au-delà du collège, pour les activités extrascolaires. Et je vais leur demander de poursuivre cette priorité pour l'éducation artistique et également de faire que l'option théâtre, qui existe déjà au niveau du baccalauréat, puisse être encouragée dès le collège pour que vous puissiez aller dans cette direction. Mais pas le théâtre pour le théâtre, le théâtre pour apprendre, le théâtre pour comprendre, le théâtre pour exister davantage à travers l'échange, la compréhension, le respect. Le mot-clé pour vous comme pour le pays, c'est d'avoir confiance. Confiance dans ce que vous êtes, confiance dans votre avenir. Et c'est pourquoi vous devez regarder l'école comme une chance, pas comme une contrainte, pas comme une obligation, mais comme une émancipation, comme ce qui va vous amener à être meilleur, meilleur pour vous, meilleur pour le pays. J'ai voulu que le quinquennat, le mien, puisse être tourné autour de la jeunesse. Certains s'interrogent, mais est-ce que la jeunesse est capable de faire ce que d'autres avant, les générations précédentes, ont été capables de réaliser? La preuve, vous la montrez ici, que vous êtes capable, venant de vos quartiers, de vos villes, artistes comme Jamel, vous ne ferez pas forcément tous du cinéma, mais vous ferez peut-être aussi bien dans bien d'autres domaines, dans tous les domaines, parce qu'avec le théâtre, on peut se réaliser partout, même à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, je vais remettre le trophée. Un trophée, c'est bien sûr pour saluer ceux qui ont gagné. Mais cet après-midi, vous avez tous gagné. Il y en a un de vainqueur qui forcément a plus gagné que les autres, il va avoir plus d'obligations que les autres. On va lui en demander plus, parce qu'il va falloir qu'il démontre que ce qu'il a fait, il peut le refaire, et peut donner aussi envie à d'autres collèges de pouvoir se réaliser. Ici, il y a 5 villes de France, je souhaite que beaucoup d'élus s'engagent également dans cette belle idée des matchs de l'improvisation théâtrale. Il y a une équipe qui va gagner. Je vais donc lui remettre le trophée. On attend les sous de lèvres, monsieur le président. Qui a remporté le vainqueur? Le vainqueur du 4e trophée d'impro culture et diversité est l'équipe de Bordeaux. Merci à vous, public, d'avoir été parmi nous et à l'année prochaine!